Bonjour à tous et bienvenue sur Poké Channel 76. Donc aujourd'hui, troisième ouverture sur du Astro Radio, du Origine Perdue, simplement. Donc on a déjà ouvert un display et là on s'ouvre le deuxième display, on est sur la troisième partie, en sachant qu'il y a quatre parties dans mes ouvertures de display. Et donc pour l'instant, l'ouverture se passe pas trop mal, mais on espère toujours un peu plus. Et je vous avouerai que le nombre de TG pour l'instant est un peu calme, donc on voudra au moins améliorer ce score-là. Une alternative, comme je dis toujours, on a envie, mais c'est extrêmement rare. Donc on va au moins se concentrer sur les TG, les foulards, histoire d'avancer un peu la série. 1, 2, 3 et 4. Bon, je dis pas non une alternative, mais comme je dis, c'est pas ce qu'on cherche de base. Allez, Gram, Kéléodome, Masque de Panique, Miss Dibule, Muscule, Magma, Mélophée, Roselia, un Corbos en reverse et un au massacre en rare classique. Donc, autant vous dire, rien d'extraordinaire. Allez, code noir encore. On espère qu'il y a quelque chose de dingue, une petite dinguerie là. Ça me ferait plaisir. 1, 2, 3 et 4. Je voudrais une dinguerie, les gens. Je voudrais une dinguerie, s'il vous plaît. Allez. Roseraid, Clumicus, Lamperrois, Makuhita, Archeomir, Hexadron, Caninos, Mise d'herbe, Hexadron, j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose. C'est une V-Star, j'aurais aimé autre chose, j'aurais aimé une alternative, mais c'est pas grave, hop, on y va, et en Giratina V-Star, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est une très belle carte. Très, très, très sympa. Allez, hop. Premier petit de cette vidéo. J'espère qu'on va pouvoir faire mieux. Ou juste augmenter les quantités et rester sur ce niveau de drop aussi, ça me convient. Code blanc, ça sent la TG. Allez. 1, 2, 3 et 4. Armulis, Mademoiselle, Mélancolus, Mysterbe, Love Disc, Hexadron, Titar, Scorpal, allez-y, la petite TG. Et non, Charmillon en reverse. Et Guérillande en rare classique. Et non, la petite TG n'a pas voulu tomber. Alors que on avait tapé énormément de TG sur la première display. J'ai envie de dire, c'est vachement calme, quoi. Au niveau des TG, c'est très très calme. Et voici. 1, 2, 3 et 4. Allez, petite énergie, masque de panique, hypocéan, rhinocéros, Zorua. Oh, spoiler alert, qu'on a quelque chose, chef. Bargantua, j'ai glissé, Sepiatup, Paras, Liputu, Spiritombe, très joli. Et derrière un Polygon 2. C'est cool. Non, c'est bien, ça, la petite TG qui tombe, ça fait plaisir. Ça fait grandement plaisir. On avance. Hop, ça va par ici. Je sais plus où je mets mes cartes à la fin. Allez. Code blanc, une TG encore, 2 TG serait pas mal, 1, 2, 3 et 4. Bah surtout qu'il y a des belles TG hein, dans cette série. Marcia, Reliquant, Aspirateur perdu, Zorua, Machek, Pikachu, Funicria, ouais,
Alors, spoiler alerte, hein, c'est... Il n'y a pas de TG. Liputu, Mimigal et Magarna. Ok. C'est faible, c'est faible, c'est faible. Il nous reste 4 boosters pour se refaire un petit peu, là. On a eu 2 petites, simplement. Ouais, il va falloir se rattraper, là. Il va vraiment falloir se rattraper. Allez, ça, c'est bon, ça. C'est code noir, ça fait plaisir. Je veux pas d'holo, les gars. 1, 2, 3, 4. Je veux juste ma Giratina, là, mais qui n'accrochait pas du tout comme ça. Ça pue, la holographique. Allez. Mélancolux, Gram, Coléodome, Opermine, Porygon, Coanoton, Écaillon, Larvadar, Nuplodocus et Paraguel en holo, justement. Hein, ça sentait la loose. Ça n'accrochait pas. Bon. Une TG, une holo, une V-Star. Voilà le drop du jour. Et le monsieur, il veut un petit peu mieux. Donc on va lui donner un petit peu mieux, s'il vous plaît. Hein. Allez, pour les gens qui patientent. 1, 2, 3 et 4. Pour les gens qui regardent le tirage, soyez gentils. Ariama, Pifeuille, Chartor, Caninos, Coanoton, Rocabo, Otaria, Blizzy, Mimiki, et un Muplodocus en V. Bon. Faut que ça tombe. Mais je vous avouerai que celle-ci, je dois l'avoir. Donc, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Mais ça reste très sympathique. Allez, on continue, on continue. On peut le faire. On a 2 boosters pour aller choper un hit. Là, je vais arracher ce booster. Le gars n'a plus de patience. Et c'est du code blanc. Et on va chercher notre TG. 1, 2, 3 et 4. Allez. Aspirateur perdu. Armulis. Mademoiselle. Rhinocorn. J'ai envie de vous dire que ça sent mauvais, mais... Hippotrempe. Cornèbre. Les cartes, elles veulent pas. Elles veulent pas. Hop là. Misdibule. Oh, tout accroche. Son acry. Ou pas en reverse rare. Et Lamantine en... Simplement carte rare. Pas holographique. Rien du tout. Bon allez. Dernier booster. Dernier booster avant la dernière partie. Il va nous rester quand même une partie à aller chercher. Une partie de display qui peut nous réserver plus que des surprises. Allez, code blanc, on va terminer sur une petite TG pour le kiff. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est cool. Petite énergie, feu. On va se taper un drac au feu. Expérience de Nikolai. Porygon. Lac Messing. Excellang. Mélofée. Hippotrempe. Eh ben non, on va même pas se taper une TG. Polichombre, sans coquille, Lavardar en reverse, et derrière, un petit Tartare en rare classique. Bon, et bah aujourd'hui, on s'est pas non plus fait climatiser, mais on n'en est pas loin. Pop, ouais, on va mettre ça dans son sein, mais Paraguel en holographique, Muplodocus en V, Giratina V-Star, ça, ça fait plaisir, et le Spiritomb en TG, quoi. Mais bon. C'est pas oufissime. C'est loin d'être oufissime. Ça permet d'avancer la série, hein, certes. Mais après, j'ai tellement eu de chance, en fait, sur la première display que j'ai ouverte. Bah, déjà, avec le terrain alternatif, hein, on va pas se le cacher, c'est juste Big Hit sur le premier booster. Bon, ça vous calme. Moi, ça m'a calmé direct. Je pouvais être que hype, après, sur ce que j'ai ouvert. Mais en plus de ça, quand je vois les statistiques, 6 TG, c'est juste énorme, j'ai l'impression. Bah après on fera le compte à la fin de celui-ci, hein. On verra un petit peu si est-ce que c'est en raccord ou pas en termes de chiffres par rapport au full art, etc. Normalement c'est une seule full art,
Pareil pour l'OTG, normalement il va avoir un nombre. On va essayer de voir un petit peu si on s'en rapproche ou pas. Donc n'hésitez pas à suivre la quatrième partie. Là, on va commencer, on va pouvoir analyser en fait l'ouverture de deux displays, savoir un petit peu au niveau des chiffres ce qu'il en est, et puis aussi savoir si on se rattrape ou pas dans la quatrième partie. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à la commenter. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine ouverture. Ciao la team!